en plein États-Unis, État du Missouri. C'est à Saint-Louis que je suis né, aujourd'hui numéro 1 mondial de l'industrie chimique et agricole, à qui l'on reproche d'avoir du sang sur les mains, ainsi que d'être la responsable numéro 1 du score de la biodiversité qui dégringole, de l'empoisonnement des champs jusqu'aux assiettes, de la chasse aux paysans qui plantent, que je brevette. Des reproches, on m'en fait trop, qu'ai-je fait pour en arriver là? Ma réussite, admirez-la, car je suis l'exemple même de l'entreprise qui a réussi sa vie. De l'entreprise qui a réussi sa vie. Incontestablement aidé par mon gouvernement, grâce aux liens qu'on a créés via nos portes tournantes. C'est la réalité, non pas un conte. Bien sûr, si vous prenez en compte les conséquences que mes choix ont entraînées. Des OGM à l'agent orange en passant par les PCB. Pour les êtres humains étrangement décédés, ainsi que mon attitude d'accord envers le vivant, je suis d'accord. Mais nous ne pouvons pas nous permettre de perdre un dollar, alors je suis pas tout, je fais tout pour que tourne la machine. Même s'il faut que je m'échine, faut que ce monde je le domine, que son avenir je le dessine. Pour ça, je suis toujours prêt à jouer à l'assassin. Je suis une multinationale états-unienne. Je sème la haine, je fais pousser les suicides. Je suis les OGM, je suis les pesticides. Je suis devenu la reine des brevets de la mort. Je bois le sang des hommes qui me donnent la force d'imposer mon empire pour le malheur et pour le pire. Responsable de l'automise à mort des milliers de paysans qui par mes brevets et mon génie du gène étaient devenus complètement dépendants. Ah, voilà ce qui se passe quand on utilise les iPhones. Alors c'est génial les iPhones, mais on utilise les iPhones et du coup il y a quelqu'un qui appelle et qui le dérange. Voilà, donc on va la remettre. Ah, il y a Martine au téléphone. Alors on peut tous saluer Martine. Car oui, je m'approprie. On va prendre le refrain. Je vous propose qu'on la refasse, ça vous dérange pas? Ok.